Bonjour, tout d'abord. Mon nom est Florence Séchaud. Je suis actuellement chef de l'unité recrutement au Comité international de la Croix-Rouge. J'ai suivi des études assez générales de relations internationales à l'Institut des hautes études internationales à Genève. Alors, mon travail au CICA, bon, actuellement, c'est donc beaucoup de gestion et de management pour l'unité recrutement. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est mon expérience précédente sur le terrain. Une de celles qui m'a le plus marquée, c'est ma dernière mission au sud du Soudan, qui était un pays qui était en train de devenir indépendant. Donc, sur le plan politique, c'était absolument passionnant. Et j'étais chef de mission. Et donc, j'avais le privilège de gérer et puis planifier toutes les activités du CICR pour cette partie du monde. Ça a toujours été une passion. J'ai toujours eu envie de travailler pour le CICR. Je pense, mû par l'envie d'être utile pour les autres, tout en ayant conscience qu'on ne peut pas facilement changer le monde. Mais c'est quand même cette envie d'essayer et puis d'y mettre autant d'énergie que possible. Alors moi je dirais que pour travailler au CICR, il faut une très grande faculté d'adaptation. Il faut arriver à se mettre un petit peu dans les chaussures des autres, à comprendre l'autre en face de nous, être empathique, ça c'est extrêmement important. Tout en étant capable aussi de se protéger soi-même, parce qu'on ne voit pas toujours des choses très très faciles. Et là, il faut avoir une très bonne capacité à gérer son propre stress. Ça, c'est vraiment important à mes yeux. Alors, les côtés positifs, c'est qu'on voit parfois le résultat de nos efforts sur le terrain. Pas toujours, mais c'est quand même... sur une mission, on a toujours des moments où on est content d'avoir rendu une famille heureuse parce qu'on lui a permis d'être réunie avec les autres membres de sa famille dont elle était séparée, ou d'avoir des résultats par rapport aux personnes dont on monitore les conditions de détention. Donc on a très souvent des petits plus comme ça qui renforcent encore notre motivation. Les points difficiles pour moi, ça aura été parfois la balance entre la vie privée et la vie professionnelle qui penche très nettement, surtout sur le terrain, en faveur de la vie professionnelle. Et ça, c'est pas toujours évident. Il y en a beaucoup parce qu'on s'investit toujours à fond dans ces missions. La première est toujours à marquer d'une pierre blanche. Mais comme je le disais tout à l'heure, aussi la dernière, du fait du contexte politique particulier et de l'engouement qu'il y avait autour de nous, de voir des gens sentir qu'ils allaient devenir indépendants et qu'un pays est en train de se créer en quelque sorte sous nos yeux. La Genève internationale, c'est un peu, c'est une ville, c'est un endroit où on y met un peu ce qu'on veut, en fait. On y apporte et on en prend ce qu'on veut, parce qu'elle offre beaucoup du fait de cette exposition internationale. Donc, vous pouvez continuer votre petite vie dans votre coin, ou bien sortir dans des pubs, avoir des occasions d'aller voir des films en anglais. C'est une ville réellement internationale, et si vous en avez envie, vous pouvez vraiment profiter de cet aspect-là de Genève. Pour les jeunes qui s'intéressent au CICR, je dirais qu'actuellement, il faut s'intéresser aux langues, il faut avoir un certain bagage linguistique. Il faut vraiment être motivé par l'humanitaire et par le CICR en particulier, du fait de notre mode d'action qui est bien spécifique, qui implique la confidentialité, qui implique la neutralité. Là, ce sont des aspects qui sont extrêmement importants pour nous. Donc, il faut vraiment être en accord avec ces principes. Et puis être prêt à partir n'importe où sur le terrain. En fait.